Non, non, on va pas faire. Jai Gurudev tout le monde. Jai Gurudev. Any question? Yes. Est-ce que quelqu'un a une question? En fait, c'est par rapport au sujet de l'espace et du temps. Comment est-ce que les deux sont en connexion? Et en fait, ça c'est un peu un secret pour moi parce que vous êtes à Vaikuntha et en même temps ici. In a simple way, en fait, vous voyez, d'une façon simple, a devotee which have surrendered to the Lord, un dévot abandonné au Seigneur, must son état d'esprit doit savoir quelque chose. Into this vous n'êtes pas dans cette réalité-là. Reality, si vous êtes attaché à cette réalité, alors vous en êtes attaché. But a devotee is not attached to mais un dévot n'est pas attaché à cette réalité the devotee matérielle. Is attached to the feet of Guru and God. Un dévot est attaché aux pieds du Gourou et de Dieu. Devotee. Et c'est ça qui fait qu'on est Vaikuntha, un dévot. What does that mean? Vaikuntha, qu'est-ce que c'est Vaikuntha? Vaikuntha, is the place where Vaikuntha, c'est un endroit the Lord is ever present, où le Seigneur est toujours présent. That is Vaikuntha, c'est ça Vaikuntha. But in a devotee's life, mais dans la vie d'un dévot, is the Lord not ever present? Est-ce que le Seigneur n'est pas toujours présent? Present. Oui, le Seigneur est toujours présent dans la vie d'un dévot. Il n'y a pas un seul moment. But, a devotee, when you, if you call yourself a si vous vous appelez vous-même un dévot, il n'y a pas un seul moment your mind où votre mental about your guru oublie about. Votre gourou et Dieu. No? If your mind forget about si votre guru mental oublie the Supreme Lord le gourou et le Seigneur suprême Sriman Narayana, you are in you are in this alors vous êtes loka, dans Partha, vous êtes dans ce loka, dans ce monde matériel, ce monde matériel qui est limité, qui est accroché au cycle de naissance et de mort. Il y a vraiment une grande logique à travers ça. Votre mental devient ce sur quoi vous vous focalisez. Si vous êtes attaché à cette réalité physique, alors vous n'allez jamais être capable de réaliser le Seigneur suprême, vous n'allez jamais être capable de l'atteindre. Mais d'abord vous devez transcender cette réalité matérielle et le trouver à l'intérieur même de cette réalité. Vaikuntha, ce n'est pas un endroit que vous allez juste quand vous mourrez. Non, Vaikuntha, c'est ici même, dans votre cœur, c'est Vaikuntha. Dans le chapitre 8, verset 2 de la Bhagavad Gita, Arjuna pose une question un peu similaire au Seigneur suprême lui-même. Il lui dit, comment est-ce qu'on peut être capable de te réaliser en étant le Seigneur suprême? Comment est-ce qu'on peut t'atteindre quand notre mental n'est pas contrôlé? Ça, c'est un peu la même question qu'Arjuna a demandé au Seigneur dans le chapitre 8. And Bhagavan answer him, et Bhagavan lui a répondu, Brahman, il lui a dit, Brahman, the supreme, Brahman le is my
Brahman suprême est mon état impérissable. Et l'essence, mon essence, est la connaissance de soi. Et ce qui a été créé dans la création, c'est ça mon travail. Et c'est tout ce qui a été créé, en fait. Et le verset d'après, le Seigneur, il dit, Adi Bhuta, which means qui signifie les éléments. Is everything which is created. C'est tout ce qui est créé. Adi Bhuta. Everything which is creation, whatever it is, tout ce qui est la création, tout ce qui est périssable. And Adi Devata. Adi Devata. All the senses, you know. Sont tous les sens. This is the self-knowledge. C'est la connaissance de soi. And Adi Yagna. Et Adi Yagna. That is my, I am alone. C'est moi seul. Eternal one. L'éternel. So when we see what Bhagwan have, alors quand on voit ce que Bhagavan a expliqué ici, he explained, en réalité, il a expliqué. Get to know. Il faut apprendre à se connaître. Quelque temps, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le soi. Et ben, en premier, apprenez à vous connaître. Qu'est-ce que Adi Bhuta? Qu'est-ce que Adi Bhuvata? Et qu'est-ce que Adi Yagna? Une fois que vous connaissez ça, alors vous êtes libre. La Bhagavan, il a dit la même chose. Il a dit Brahman est mon impérissable. Brahman est cette chose impérissable qui vit à l'intérieur du cœur de chacun et dans tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui donne vie aux arbres? C'est ce qui donne pouvoir à Prakriti elle-même de pouvoir agir. Et c'est cette énergie du Seigneur suprême qui est en tout, qui est présent. Et c'est le Seigneur suprême cosmique qui est présent en tout. Alors est-ce qu'il est loin? Non. He is in his creation. Il est dans sa création elle-même. Il est ici. He is inside of your heart. Il est à l'intérieur de votre cœur. Et par sa miséricorde, il s'est manifesté à l'intérieur. Which is eternal inside of you. Ce qui est éternel à l'intérieur de vous, il dit, c'est the moi. Great yagna. Le grand yagna. Qu'est-ce que c'est ça? Adi yagna. What that means? Qu'est-ce que ça signifie ça? When we look at yagna from the Gita perspective, quand on regarde le yagna par rapport à la Gita, en fait, yagna, c'est la perception de tout ce qui se passe. The oblation, you know, l'oblation. The devas, when we are talking, quand on parle des devas, you know, Adi Deva, observe that into the physical, on va l'observer reality, un peu dans la physique, said, but, dans la réalité physique. Quand un dévot dit, this question by saying that Vaikuntha is here itself, en fait, j'ai déjà répondu à cette question en disant que Vaikuntha est ici. Vous avez déjà Vaikuntha. Bhagavan is not far away. Bhagavan n'est pas loin. The Adi Deva, Adi Bhuta, Adi Bhuta fait référence things, you know, aux choses périssables, éphémères, body, à ce, you know, corps which physique, this, intellect, the mind, cet intellect, this physical body, ce mental, sense organ. Et ça renvoie aussi aux organes de sens, les cinq sens qui courent toujours vers l'extérieur. Dans le Bhagavan, il dit, ça c'est ma nature périssable. You know? This is the nature which I work onto the outside. C'est la nature qui me permet de travailler à l'extérieur. What I have created. Et c'est ça que j'ai créé. Prakriti, I have infused myself into. Je me suis that. Infusé the outside dans Prakriti. Je travaille dans l'extérieur. He said, et alors il a dit, self-knowledge, par la connaissance de soi, beyond this senses, en apprenant à connaître au-delà de ses sens, reality, au-delà itself, de cette réalité physique else, elle-même, you know? Il y a quelque chose d'autre. Then he said, but this is Adi Devata, the presiding et alors il dit que c'est Adi Devata, la déité qui préside et qui contrôle tous les organes de sens, the intellect and the mind, et l'intellect, le mental aussi. Then he said, but that is the et alors il dit que ça, when c'est la connaissance have, de soi. The knowledge of getting to know, la connaissance you are not this physical body, d'apprendre these que vous n'êtes pas ce corps physique, which have been given to you, que c'est juste quelque chose qui vous a été donné pour travailler just à l'extérieur. Like an engine and the car, tout comme, you know, un moteur the dans engine une of voiture. The car is different. Le moteur d'une voiture est différent de tous les autres composants de la voiture. L'énergie so, like that, qu'il produit fait que la voiture marche. This body also functions. Alors, de la même manière, voyez, ce corps fonctionne de la même manière qu'un moteur.
Et le Seigneur, il dit, je suis Adiyakra. Je suis ce Brahman qui est le Seigneur impérissable lui-même. Qu'est-ce qui est impérissable à l'intérieur? C'est l'Atma. Mais quand on perce le secret de l'Atma, l'Atma est une partie du Seigneur lui-même. C'est juste que l'individualité est différente. L'Atma, en quantité, est différente du Seigneur suprême. The supreme abide within. Mais le Seigneur suprême, il demeure dedans. Il est dans l'Atma elle-même. That way, everything is offered into the C'est great là yagna. Que tout est offert dans le grand yagna. Then Bhagwan become Adi yagna. Et alors, Bhagavan devient Adi yagna. That's what the question Arjuna asked in chapter 8, verse 2. C'est ça qu'a posé comme question Arjuna dans le chapitre 8. By which means, you know, the self-control. Il a dit, mais comment c'est possible? Can realize you, can get to know que you. Quelqu'un qui n'est pas contrôlé son mental puisse t'atteindre et te connaître, parce que ce n'est pas facile. Même en sachant que oui, on est des dévots, on est dans cette réalité physique, on profite de chaque bhajan, kirtan, tout ça, mais de transcender ces normes, transcender ces deux-là, Adi Bhuta, Devata. Et Adi Devata, c'est très difficile. But when we look at what Bhagwan, mais quand on regarde ce que Sri Ramanuja Acharya a dit, ceux qui ont pris refuge au Seigneur suprême, ceux qui s'abandonnent à lui, sachez une chose, c'est qu'ils sont toujours avec lui. Et il est toujours avec eux. Ça ne veut pas dire que vous pouvez juste vous asseoir comme ça et vous ne faites rien. Mais vous devez bâtir une relation avec lui. You have to walk upon vous devez travailler sur ce chemin d'abandon total. Peu importe le chemin que vous prenez dans la vie, que ce soit Grihastha, que ce soit Brahmacharya, Sannyas, Sadhu, Rishi, Rishi ou quoi que ce soit, le chemin que vous prenez dans la vie, vous devez rayonner dans ce chemin, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et alors Bhagavan se révèle lui-même. Il est toujours présent avec ses dévots. Qu'il n'y a pas un seul moment qu'il est sans ses dévots. Il est loin. C'est pour ça que, par sa miséricorde, dès que le dévot l'appelle, il vient. Le Bhagavat est totalement rempli de toutes ces grandes histoires de comment Bhagavan vient au secours de ses dévots. Mais pas seulement au secours, il vient par amour à ses dévots. Et pourtant, comment le Seigneur suprême vient? Quand il vient? Seulement quand le mental est transcendé? Pas quand le mental est absorbé dans les choses de l'extérieur. Quand on parle de quelqu'un, vous parlez de vous-même, par exemple. Hier, quelqu'un posait une question sur le soi. Les gens, quand ils parlent d'eux-mêmes, en fait, ils parlent de ce qu'ils connaissent à l'extérieur. Ce que ce corps fait, il est stressé, il travaille, et toutes ces autres choses qui sont dans la réalité matérielle. Combien sont plongés dans cet état de béatitude et qui en jouissent? Quand vous jouissez de l'état de béatitude de votre soi, Vaikuntha est là parce que vous profitez de la présence du Seigneur à l'intérieur vous-même. Vous jouissez pas seulement à l'intérieur, mais tout le temps, partout, comme il est partout. Mais au moment où vous retournez dans la réalité matérielle, alors vous êtes retourné dans le monde extérieur. C'est pour ça qu'il est dit qu'un dévot vit dans la plénitude de tout, et pas seulement partiellement. Il ne dit pas seulement « oui, je suis mon chemin spirituel » et c'est tout. Non, en fait la spiritualité renvoie à la globalité de tout, le corps, le mental et l'esprit. Se combinent ensemble, et ça rend la plénitude de tout. Et voilà ce qu'est un dévot. C'est cette plénitude de la combinaison de ces trois-là. Adi Bhuta, Adi Devata et Adi Yagna. Ils ne sont pas séparés les uns des autres. Et c'est pour ça que je le dis, que pour un dévot qui est constamment absorbé dans le rappel de Guru et de Dieu, il vit dans Vaikuntha. So
They are free. Alors ils sont totalement they libres. Break that bondage of, the clutches ils which ont them, cassé cycle of birth and death, you know. Cette poigne qui a Maya qui les raccroche au cycle de naissance et de mort. Et voilà ce qu'est un dévot. Et c'est ce qu'a dit à Krishna, ceux qui s'abandonnent à moi, je prends soin d'eux. Et voilà l'expérience de tous les grands sages et tous les grands saints qui ont pu l'expérimenter, ça. Anybody else? Quelqu'un d'autre a une question? Yes, Baba. Guruji, how to feel the difference? Can you talk? Low? Est-ce que tu pourrais parler un peu moins fort? How to feel the difference? Comment sentir la différence entre le respect pour le gourou et la peur du gourou? Live this respect and, et de vivre dans ce respect fear. Et transformer cette peur. Sorry, what's your question? Respect and How to feel the difference? Fear. Respect fear. And fear. Le respect du gourou et la peur du gourou. Example, par exemple, dans le fait de fear. Poser for des example, questions. For example, I can par exemple, think that I, penser que je pense, je suis en train de poser right. une you question see, stupide you ou have to pas. Think et c'est pour ça qu'en fait, vous devez réfléchir bien avant Because que vous posiez une question. Parce que souvent, les gens, questions. Ils posent des questions un peu stupides. Et ils s'attendent à une réponse très philosophique pour cette question un peu débile qu'ils posent. Mind, peut-être dans leur mental, you know, à cause de leur niveau de conscience, parce que c'est une But question très philosophique. Question mais souvent, les questions, elles ne sont pas très intéressantes. Alors, bon, vous allez recevoir so une réponse un peu how to transcend pas très... No, stupide aussi. For the guru is alors comment transcender ça? Non, le respect pour le gourou doit toujours être là. That should not be changed. Ça, ça ne doit jamais changer. Change au moment où vous changez you guru, la perspective then you will start sur votre gourou your dirt upon the guru. Et then vous perdez ce respect pour lui, alors vous allez alors. Projeter toute votre fear, négativité sur lui. Fear. Et là, vous êtes perdu. Actually, mais la peur, en fait, il ne s'agit pas de peur. Context, you know, ce dont tu parles dans ce contexte, not to create any il s'agit say, like I was saying, you know, if you're asking a comme je le disais en fait si vous posez you une question stupide ou faire quelque chose vous know, savez que vous faites quelque chose stupid. De pas bien ou vous dites you quelque chose de stupide you. Vous avez yet, ce you know, sentiment à l'intérieur mais très souvent you can't vous your devez tongue. Le dire parce que you're vous ne pouvez pas contrôler it. Votre langue et juste vous le dites of course sometimes you will have to alors bien sûr, des fois, bah, vous allez devoir avoir une petite baffe yes, pour do, ça. Par exemple, yes. quand votre femme vous donne une baffe aussi, hein, vous le faites les Mataji. Vous le so, faites. The guru also will have to tell you alors le gourou aussi, des fois, il doit vous, right, il doit vous dire aussi si vous faites quelque chose de stupide no. ou si vous posez une question stupide, bah, qui d'autre que lui va vous le dire. Mais c'est ça une grande différence. Ce n'est pas une peur, c'est un grand respect en fait. I'm scared to say something. C'est pour ça que ça apparaît comme j'ai peur de poser une question. So. Okay. Jagadev, everyone. Jagadev, tout le monde.